Je crois que tu joues avec ton boulot, César. Tu es censé être lucide et informé de tout ce qui se passe ici. S'est-il passé quelque chose de grave, patron? Faut-il que quelque chose de grave se produise pour que tu sois informé? Non, patron. Je le demandais juste parce que je crois que j'ai fait tous mes efforts possibles pour mener à bien mon travail, malgré mon état de santé. Et pourquoi tu ne guéris pas, hein? Voilà 3 semaines que ça dure déjà. 2 fois tu n'es pas venu au travail, sans compter ton retard de ce matin. Au fait, patron, j'attendais mon jour de paye pour aller en pharmacie m'acheter quelques médicaments ou encore à l'hôpital au cas où ça pèse. Tu veux dire que depuis 3 ans que tu travailles avec moi, tu n'as pas pu faire des économies au point d'attendre le salaire pour t'acheter des médicaments? Mais c'est horrible! Ben, tu dois patienter encore un peu. Puisque la paye c'est plus loin, c'est demain. En effet, il ne faut pas brusquer le corps. Quand tu es malade, il faut attendre que la maladie atteigne son comble pour éviter que les médicaments s'attaquent plus tôt aux globules blancs qui sont censés lutter pour ton propre organisme. Alors quand tu laisses la maladie se répandre un peu, la majorité des microbes se présentent en surface, pensant qu'ils gagnent du terrain. Quand tu prends les médicaments indiqués, tous les microbes sont balayés et on revoit la maladie pour une longue période. Et puis, il faut beaucoup prier.